Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis actuellement au lycée. Je fais du street workout depuis maintenant un an et je me suis inscrit au Transformation Challenge créé par le youtubeur Eric Flag. C'est un youtubeur basé sur le street workout, la musculation, la nutrition et le développement personnel. Tous ces principes se regroupent alors dans le challenge qu'il a mis en place. Ce challenge va permettre de te dépasser sur une durée de 11 semaines, que ce soit sur tes conditions physiques, la performance, ton volume, la sèche, sur ton changement de nutrition ou encore sur ton propre développement mental. Pour s'inscrire à ce challenge, il m'a fallu remplir une fiche d'inscription avec toutes mes mensurations, de bras, de jambes, de pectoraux, d'épaules, etc. Mes objectifs personnels, ce à quoi je veux m'atteindre au bout de 11 semaines. Suite à l'inscription, on rejoint un groupe Facebook avec toutes les personnes inscrites à ce challenge. On est actuellement plus de 800 à s'entraider, se donner des conseils sur tous les domaines. Au bout de 11 semaines, vers fin mai à peu près, à la fin du challenge, des récompenses sont à gagner avec au moins 20 gagnants. Des chèques ou encore des produits divers. Vous pouvez retrouver en description le lien d'inscription au challenge si vous aussi ça vous intéresse de vous dépasser sur les 11 semaines à suivre et par principe de trouver un rythme à vos activités pour pouvoir continuer après l'aboutissement du challenge à vous améliorer. Mes objectifs personnels pour ce challenge sont les suivants. Prendre du volume de la masse musculaire afin d'améliorer mon physique, améliorer mes muscle up, en faire plus, de meilleure qualité et sans doute commencer à me lester, atteindre la straddle planche au moins 33 secondes, ça serait déjà pas mal, améliorer mon front lever sur la qualité et la durée, améliorer mon press to handstand, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'aimerais garder un maximum les jambes tendues au lieu de les resserrer sur moi-même, et j'aimerais aussi retrouver mon back lever que j'ai eu en début d'année mais que j'ai perdu à force de ne plus le travailler. Ces objectifs s'atteignent aussi avec des sous-objectifs qui sont aussi très importants. Par exemple, j'aimerais améliorer mon handstand sur la durée et la qualité. Et j'aimerais également améliorer mon one arm elbow planche sur la durée et la qualité également. Je poste régulièrement sur Instagram mes entraînements et le ressenti que j'ai sur chaque entraînement que je fais. Mon Instagram est évidemment dans la description. Je ferai une vidéo par semaine, je pense, pour faire des récapitulatifs de mes gains ou autre chose que j'ai envie de dire. Pour finir, je vais essayer de vous montrer que si j'arrive à atteindre mes objectifs, tout le monde peut le faire. Que ce soit dans le street workout, la muscu, la musique, le dessin, ce que vous voulez, votre domaine, peu importe le domaine, tout dépend de vous. N'hésitez pas à partager ma vidéo pour suivre mon évolution tout au long de ces 11 semaines, et je vous dis à la prochaine pour voir la suite de mon aventure.